Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir Stevie Boulet, Valérie Mérès, Christophe Alévèque, Elsa Fayère, Claude Sarraute et Gérard Miller. Ne vous affolez pas, Christophe, Stevie ou même Gérard, si vous pensiez que c'était pour vous tous ces cris de jeunes gens en délire, c'est parce qu'on va recevoir aujourd'hui Jonathan, l'idole des jeunes. Ah, pardon, si je dis Gérard Miller, il y en a trois qui répondent. Dis donc, t'es bien rentré hier, Gérard. Raconte-nous quand même. Je suis très bien. Il est parti en scooter avec Loana derrière. C'est non. Pas vrai. Où ça? Il avait besoin d'airbag. Non, c'est drôle parce que dans la presse ce matin, ils disent que Loana est tombée en panne avec son deux roues. Non. Mais je vous jure que c'est vrai. C'était le tien? Non, non, non. C'est sûr? Mais enfin, non, vous imaginez quand même pas... C'est pas le scooter qui est tombé que en panne. Qu'est-ce que dit Stevie? Revenons à l'actualité du jour, hein, Claude, avec la photo du jour. Et c'est celle, évidemment, de Jean-Pierre Raffarin. Photo publiée par Le Parisien ce matin. Et regardez bien cette photo, c'est officiel. Jean-Pierre Raffarin reste à Matignon, mais comme jardinier. Oh. En fait, on a l'impression comme ça que le Premier ministre cherche quelque chose qu'il a perdu. Si c'est les régionales qu'il a perdu et qu'il cherche, c'est pas sur l'herbe qu'il va les retrouver. Ce serait plutôt sur terre battue. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? J'ai rêvé de lui cette nuit. Vous avez rêvé de M. Raffarin? Ouais, je crois que j'étais son neveu, enfin un truc comme ça. Non, mais je te jure. Sa nièce, plutôt. Et en fin de compte... Remarquez bien, il y a une troisième hypothèse hein, à propos de cette photo, c'est qu'en face de lui, on ne voit pas de l'autre côté, il y a M. Chirac. Et en fait, ils sont en train de jouer à, vous savez, chou-fleur, chou-fleur, pour choisir leur nouvelle équipe. Vous n'avez jamais joué à ça? Christophe? C'est quand même une grande injustice. Bertrand Cantat a pris 8 ans, donc, et nous, on a fait appel dimanche et on va prendre 5 ans. Donc, On peut pas vraiment comparer. Claude, un commentaire? Moi, je trouve que c'est normal qu'il reste, parce que ça serait vraiment embêtant pour le nouveau Premier ministre de se reprendre une énorme claque dans 2 mois. Aux Européennes. Aux Européennes. En fait, c'est une nouvelle qui vient de tomber. Là, on vient de me l'apprendre, oui, oui. Le président Chirac a finalement décidé de ne pas garder Jean-Pierre Raffarin à Matignon. En effet, il a trouvé l'homme qu'il fallait placer à Matignon pour que lui, Chirac, soit à nouveau réélu en 2007. Le voici. Voilà. Oh, franchement... Jospin à Matignon, c'est la seule solution pour que Chirac gagne à nouveau la présidentielle dans 3 ans. Hein. J'ai une autre photo à vous proposer, c'est celle de Nicolas Sarkozy, que le président Chirac ne veut toujours pas imaginer, lui, à Matignon. Pourtant, M. Sarkozy reste souriant. Ça, c'est à force d'être au ministère de l'Intérieur. Il intériorise, il a appris à intérioriser Sarkozy. Il doit quand même être déçu, parce que c'est quand même pas la peine d'avoir dragué Bernadette toute la semaine dernière pour se prendre un râteau cette semaine. Ça lui apprendra, à Sarko, à prendre Matignon en viager. Bernadette, elle est comme Jeanne Calment, elle les enterrera tous. Valérie? Je vais dire un truc sur la politique, alors ça va... Vas-y. On s'accroche. Attends, on s'accroche bien. Vas-y. Enfin, d'après ce que j'ai compris, hein. mais en fait, il reste Raffarin parce que c'est après les Européennes qu'il va être viré. C'est ce qu'a dit Claude il y a 2 minutes. Hein. Ouais. Ah oui, mais on n'était pas... En fait, c'est bête, c'est parce que je l'avais vachement pensé avant de venir. Alors, je voulais le placer, franchement, hein, Claude. En tout cas, c'est demain qu'on aura la composition du nouveau gouvernement, puisqu'il a été confirmé aujourd'hui dans la journée que M. Raffarin restait bien à Matignon. La seule satisfaction, parce qu'il y en a quand même dans ces résultats des régionales, la seule satisfaction pour la majorité est donc venue, on le rappelle, d'Alsace. Les cigognes, c'est bien connu, ce sont elles qui amènent les heureux événements. Pour fêter ça, il paraît qu'hier soir, à l'Élysée, le président Chirac a repris 3 fois de la choucroute. Monsieur Chirac aurait d'ailleurs reçu aussi un télégramme du président Bush qui lui disait « Faites quand même attention à ne pas vous étouffer avec un bretzel. » Gérard, vous allez être interdit de séjour en Alsace, vous. C'est vrai. Mais alors,
Pendant la campagne électorale, comme on est sur le service public, on n'avait pas le droit de manifester ses opinions. Évidemment. Maintenant, on est libre, Laurent ? Oui. Est-ce que je peux simplement manifester les miennes ou pas ? Oui. Vas-y, où est ta banderole ? Allez, à gauche, en tout cas, celle qui va vite devenir incontournable, c'est évidemment Ségolène Royal, dont on dit qu'elle pourrait évidemment devenir présidentiable. Ouais. Alors, pour François Hollande, ça ne va pas être facile à gérer. Si Ségolène est à l'Élysée, il faut que François Hollande prépare déjà son costume de mari de la présidente. Regardez, ça va pas être terrible quand même. Une autre photo. Celle d'Olivier de Kersauzon, dont le Parisien nous dit ce matin qu'il est déprimé parce qu'à mi-parcours de son tour du monde en équipage, il doit affronter une tempête. Et alors, il y a vraiment trop de vent, dit-il. Il n'est jamais content, Kersauzon. Parfois, il y a trop de vent, parfois, il n'y en a pas assez. La prochaine fois, il n'a qu'à faire le tour du monde à la voile indoor à Bercy et on pourra régler les ventilos comme il veut. Hein. Je veux dire, c'est vrai. Non, mais le pauvre. Et qu'est-ce qui se passe, là? Ils ont plus de main? Quoi? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus de main. Ils sont dans une tempête. Ils sont plein de... Pourquoi ils n'auraient plus de main? Bah alors, il y a du vent, ils devraient avancer. Trop de vent, une tempête, des vagues trop hautes. Mais complètement à la masse. La panique! Mais... Le Titanic! Je veux pas envoyer. Qu'est-ce qu'il lui prend, Elsa? On a les mêmes. Une photo de Peter Ustinov maintenant, puisque l'Hercule Poirot de Mort sur le Nil est décédé à l'âge de 82 ans. Si à l'enterrement d'Hercule Poirot viennent le commissaire Moulin, Julie Lescaut, Navarro, le flic Cordier, le commissaire Valente, une femme d'honneur et Fabio Montal, TF1 va au moins pouvoir sponsoriser les obsèques. Ne vous marrez pas trop tôt, Gérard Miller, parce que la dernière photo, c'est pour vous. C'est une photo qui illustre le succès des Choristes, le film avec Gérard Jugnot dans les salles de cinéma, puisque c'est le Parisien qui nous le dit ce matin. Gérard Jugnot résiste au film immortel d'Enki Bilal. Et si on regarde bien dans l'article, Gérard Miller, c'est écrit « J'ai gagné mon pari, les Choristes semblent bien partis », dit le Parisien, « pour les 3 millions d'entrées ». Qui c'est qui va devoir faire le tour de la place des Vosges tout nu, ah, Gérard? C'était un pari! C'est vous! Ah, c'est génial! Non, 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 non. Ah, ne transformez pas un pari que vous avez pris et que je vous demande simplement de respecter. Si les Choristes ne font pas 3 millions d'entrées, vous devez vous promener tout nu. Moi, je n'ai jamais dit que je ferais l'inverse. Comme vous avez relevé le défi, c'est pas à vous de tout. Le faire s'il dépasse les 3 millions d'entrées. Vous êtes tous d'accord? Aucune chance. Si, 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 si. Écoutez, Laurent. Gérard. C'est... On ne discute pas, il va falloir les montrer, non, non. Vos Michoko et votre Piquichante. Et rassurez-vous, on ne filmera pas parce qu'on a déjà vu Microcosmos. Laurent, écoute, Gérard, tu vas pas me refuser ce plaisir. Il y a 1,5 million d'années, oui. Ça ne nous rajeunit pas. 1,5 million d'années apparaissaient Valérie Giscard... Qu'est-ce que je raconte? Non. Les mammouths qui apparaissaient, ces gros mammifères cousins des éléphants qui étaient recouverts de poils, les mammouths, parce que les hivers étaient frais à l'époque. Oui. La semaine dernière, Yukada, un mammouth de 18 000 ans a été retrouvé en Russie, en Sibérie même précisément, coincé dans la glace sans whisky. Et si vous voulez tout savoir sur le mammouth, vous pouvez vous rendre en ce moment à l'exposition au temps des mammouths. Ça intéresse beaucoup de monde. Hein. C'est la mode du mammouth et c'est au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Thierry Marquet s'en est encore pris à des gens sans défense. Il a testé pour nous, avant que nous recevions sur ce plateau, un des commissaires de l'exposition sur les mammouths. Thierry Marquet a testé le clonage des mammouths. Regardez cette caméra cachée signée Marcel Bélanger. Bonjour, Thierry Marquet. J'ai testé le clonage de mammouth. Elle est où ta mout? Un mammouth, un mammouth. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger. Thierry Mariani, de l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. On sait que vous avez des cochons. Oui. Et on vient vous faire une proposition. C'est de savoir si vous pouvez nous prêter des cochons pour faire une insémination de sperme de mammouth. Moi je veux bien, mais je garantis pas la réussite. Alors regardez. Ça, ce sont les premiers bébés mammouths qu'on a réussi à reproduire. Ouais. Ah, ce sont les défenses. Hein. Donc ça marche assez bien. Et donc, on va pouvoir enfin permettre la réintroduction du mammouth. Après aussi, les jeunes, vous en faites quoi? Parce que bon, je vais pas m'embêter à garder des défenses pareilles au milieu des autres. Hein. Simplement, nous, c'est une grosse expérience. Et vous, bien sûr, vous serez dédommagé. Ouais, 15 000 euros par embryon, quand même. Hein. On peut au moins voir les cochons, ce que vous avez comme truie? Oui, je peux vous faire voir. Hein. Donc ça, c'est du sperme de mammouth, monsieur. Ouais. Donc là, ça fait quand même 10 000 ans que ce sperme est conservé. Hein. Santé, santé.
Non, non, mais je n'en doute pas. Ce qu'il nous faudrait vraiment, c'est une grosse cochonne, quoi, pour... Elle est grosse, là. Des grosses cochonnes, il y en a là ? Ah ouais, ouais, ouais. Vous auriez de la place pour les petits mammouths ? C'est sauvage, oui. La patrouille des éléphants, sa chenille le feu savant, la montre en avant, les oreilles au vent. Bonjour monsieur, on est de l'INRA, Thierry Mariani. Vous occupez des cochons ? Oui, c'est ça. D'accord, en fait, on va savoir si c'est possible d'avoir des truies pour leur inséminer du sperme de mammouth. Inséminer une truie avec du sperme de mammouth ? Voilà, c'est ça. Ah, là, il est à l'état pur, les jacquards. Là, il est à l'état pur, hein. Vous pouvez sentir ? Pourquoi ça sent quelque chose de... Bah, ça sent le... Le sperme de mammouth, vous le sentez ou pas ? J'ai enrhumé. Qu'est-ce qui va ressortir de là ? Eh ben, un petit mammouth. Vous voyez, ça, ce sont les premiers bébés mammouths qu'on a réussi à faire la semaine dernière. Hmm ? Nous, on cherche une centaine de truies, en fait, dans la région. Si vous en avez une ou deux qui est assez grosse cochonne, on est prêt à procéder à l'insémination immédiatement. Faut que vous trouviez une truie en chaleur, déjà ? Vous en avez, certainement. Pas le vendredi, hein. Bah, les grosses cochonnes, normalement, c'est tous les jours. Vous savez qu'on organise le travail, ici. Vous avez du mal à trouver une cochonne en chaleur le vendredi. Tandis que le lundi, on peut vous en trouver une quinzaine. Ah, alors, on aura au moins appris quelque chose. Les truies ont leur jour. Allez, on va être sérieux deux secondes parce qu'il y a une exposition intéressante actuellement au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, une exposition qui s'intitule « Au temps des mammouths ». Et pour en parler, on va accueillir un paléontologue et un des commissaires de cette exposition. Voici monsieur Pascal Tassy. Bonsoir monsieur, merci d'être parmi nous. Au temps des mammouths, ça c'est le catalogue de l'exposition. Une exposition qui, j'en suis sûr, fait un malheur parce qu'en ce moment, on ne parle que de ça, des mammouths. Pourquoi cet engouement autour du mammouth ? Bah oui, on n'en parle que de ça depuis longtemps. Ouais. Le mammouth est un fossile un peu fantasmatique. Et alors en ce moment, eh bien, on se remet à... on change des dinosaures, on parle du mammouth. Alors ce qui aide évidemment peut-être et ce qui suscite l'intérêt des gens pour le mammouth, c'est le fait aussi que j'ai l'impression, moi en tout cas, que depuis quelques années, on en retrouve un chaque année, un mammouth. Mais des mammouths trouvés à l'état congelé, on en trouve depuis 1799. Ah oui ? On n'a pas trouvé de dinosaures encore, c'est bizarre. Congelé. On trouve des dinosaures, mais à l'état fossile traditionnel, bien minéralisé, mais pour... les cadavres parce que entiers, les mammouths non. Et les dinosaures, c'est pas très loin au niveau d'un... dans l'air. Répondez au petit Stevie. C'est très très loin. Les mammouths sont apparus 60 millions d'années après la fin du dernier dinosaure. Ah oui, ça fait du sens. Pour Stevie, c'est pas beaucoup, 60 millions. Excusez-moi, hein, Stevie, c'est pas beaucoup. Mais est-ce qu'ils sont conservés dans la glace, intacts avec leur fourrure tout? Oui. Certains sont complets avec leur fourrure, mais même les parties molles, les tissus, l'estomac, le cœur. Le dernier, en tout cas, qu'on vient de retrouver, là, le fameux, je sais plus son nom, Yukagir, lui, on l'a retrouvé, il y a même l'odeur, il paraît, c'est incroyable. Alors ça sent comment, un mammouth ? J'allais dire, ça sent le fauve, mais comme ce sont des herbivores, c'est une image non appropriée. Mais ça sent fort comme un animal, comme une vache, ça sent la vache. Mais le mammouth que l'on présente au muséum, qui a été trouvé en 1908... Eh ben, avec sa peau, hein, ses pattes, sa tête, vous mettez le nez dans ses poils, encore aujourd'hui, eh bien, il sent toujours. Là, actuellement, au Muséum d'Histoire Naturelle, on peut voir un mammouth qui sent encore le mammouth. Oui, mais vous ne pourrez pas le sentir parce qu'il est bien protégé. Ah ben non, on va aller sentir le mammouth. Mais une question que tout le monde se pose, allez-vous, oui ou non, recréer, enfin... relancer cette espèce, tout simplement? Voilà, alors ça c'est c'est une question que tout le monde se pose. Tous les matins, je me dis, mais quand est-ce que... Parce que c'est vrai, avant j'avais un mammouth près de chez moi, c'était pratique pour les courses. Il n'y en a plus. Quand est-ce qu'ils vont me remettre un nouveau mammouth? Et une autre solution aussi, c'est faire coucher un éléphant avec un bison, ça ressemblerait. Alors c'est un éléphant, le mammouth. Alors, il fait partie de la famille des éléphants, donc on peut dire c'est un éléphant, mais il est un peu particulier. Avec des poils de bison. Non, avec des poils de mammouth. Elle s'y connaît hyper bien, mammouth. Gérard Miller, est-ce que ça vous passionne, le mammouth? Ben, ça m'a tout à fait passionné. Je vais tirer mon chapeau pour ce petit bouquin, parce qu'il se lit absolument d'une traite, et j'adore ce que j'appelle l'érudition amusante. C'est-à-dire que vous avez réussi à faire quelque chose d'informatif, avec plein de références, et en même temps, aussi bien en vous promenant à travers Bob Moran que Black et Mortimer, de montrer qu'on pouvait s'amuser en apprenant des choses. Et ce qui est très joli aussi, c'est votre conclusion, c'est qu'en effet, vous dites qu'après tout, on a à notre disposition presque, non pas des mammouths, mais l'équivalent de fossiles, ce sont les derniers éléphants d'Afrique et d'Asie qui sont en voie de disparition, dont il reste quelques milliers de spécimens. Et c'est très joli de se dire après tout que, tout en partant à la recherche du mammouth il y a des milliers d'années, on en a presque sous la main, puisque vous expliquez très bien que les mammouths vivaient un peu comme les éléphants, notamment.
au rythme de l'évolution qui se produit sous nos yeux, nos arrière-petits-enfants ne verront d'éléphants que dans des enclos spéciaux, particuliers, donc dans des conditions absolument pas naturelles, qui seraient d'ailleurs les conditions dans lesquelles vivraient des mammouths clonés. Enfin, maintenant, tout le monde, enfin, je parle pour moi et je pense pour la majorité des gens, c'est rare qu'on voit un éléphant qui passe dans la campagne. Maintenant, quand on voit un éléphant, c'est au zoo et point barre. À moins d'aller faire un safari au Kenya, mais c'est tout. C'est-à-dire d'aller dans les pays où il y a des éléphants. Oui. Parce qu'effectivement, ça, c'est Paris, sûr que dans Paris, on en voit très peu. Oui. Christophe Alévèque. J'ai trouvé, mais à chaque fois que je lis un ouvrage comme ça, moi j'ai le vertige, moi c'est les années. On parle de millions d'années, les mammouths, les premiers mammouths existaient il y a des millions d'années, comme ça. Alors bon, millions de dollars, millions d'euros, on connaît, mais millions d'années, c'est quelque chose qui nous paraît... Enfin moi j'ai vraiment l'impression d'être une chure de mouche sur l'échelle du temps. C'est encore moins que ça, je crois. Ah, non, quand on tend une perche, tu la prends, toi? Ah bah oui. Oh, l'ambiance. Vu la gueule de ta perche. Quand on pense que les mammouths... Pardon, monsieur le paléontologue, mais je vous fais visiter mon zoo. C'est un peu le musée de l'homme, ici, aussi. Hein. Il n'y a pas que des histoires très naturelles, en même temps. Allons-y. Quant au clonage, vous dites dans le livre que vous êtes contre. Et je trouve que c'est une bonne chose. À quoi bon aller mettre une cellule reconstituée dans une éléphante? J'imagine la tête de l'éléphante quand elle va accoucher d'un mammouth. Oh, des Miss Roussos. C'est un peu contre nature et de toute façon, si j'ai bien lu le livre, c'est pas possible. Alors, vous êtes d'accord avec ce que dit Christophe? Dans l'état actuel de nos moyens techniques, ça n'est pas possible. Et le problème, c'est qu'on est incapable de dire si cela sera effectivement possible un jour, car on n'a pas les moyens de préjuger de la possibilité de trouver une cellule vivante. Parce que c'est une chose de dénombrer un petit peu de gènes, quelques morceaux de gènes, même des gènes entiers, mais d'avoir un génome entier et en parfait état, vivant, donc qui puisse servir à la reproduction, ça c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Et donc c'est au-delà de nos possibilités. Qu'est-ce qu'il faut? En 1977, vous racontez qu'on a trouvé un bébé qui s'appelait Dima, qui était en parfait état, et je ne crois pas qu'on puisse en trouver un meilleur état. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas réussi justement? C'est qu'il n'y avait pas un noyau complet pour le cloner. Mais parce que ça n'en reste pas moins un cadavre. Même si les tissus sont parfaits, même si la chair est là, les muscles, la mort cellulaire s'est produite. Et donc l'ADN ne fonctionne plus, la physiologie de la cellule est interrompue. On a bien déterré mon temps pour faire un truc d'ADN pour savoir si c'était bien sa fille, mais on ne peut pas le faire sur un mammouth. Oui, on a cloné Yves Montand. Non, mais c'est vrai. Si ça se trouve, ils ont fait des mammouths, ils ne nous le disent pas. Il était sous terre depuis moins longtemps, si vous voulez, déjà. C'est même pas ça la question. Lui, il était dans la glace. Non, mais le génome n'était pas parfaitement conservé. Du point de vue fonctionnel, on peut identifier... Il faut qu'il soit conservé à moins 80 degrés, c'est ça? Bien plus que ça. Au moins 80. Valérie Mérès, qui aime les jolis génomes. Alors moi, je suis extrêmement fascinée par les gens qui s'intéressent aux mammouths. Je trouve ça vachement bien. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Alors justement, essayez d'attirer un peu nos téléspectateurs au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris pour nous expliquer, en nous expliquant, ce qu'on peut y voir en dehors de ce mammouth, pas reconstitué, mais qu'on a retrouvé dans de la glace et que vous présentez sous verre, donc si j'ai bien compris. On trouve des mammouths. On trouve le bébé Dima dont il a été question, l'original qui vient de Saint-Pétersbourg, qui est exposé. Bon. On a également, et ça c'est très important, des objets travaillés par l'homme, taillés par l'homme, dans de l'ivoire de mammouth, dans l'os de mammouth, donc toute une culture qui se situe entre 15 000 et 20 000 ans, avec des objets, des Vénus, et puis des objets usuels, des petits mammouths sculptés. Mais sculptés à l'époque ou sculptés aujourd'hui? À l'époque, par les Cro-Magnons de l'époque. C'est-à-dire les Cro-Magnons, c'est vous et moi, hein, excusez-moi. Oh, dites, nous sommes des Cro-Magnons, je vous garantis, nous sommes des Cro-Magnons. Bref, cette civilisation-là a sculpté des objets magnifiques qui sont rassemblés au muséum pour la première fois. C'est une association d'objets sans précédent. C'est jusqu'en janvier 2005, cette exposition au temps des mammouths. Ça, c'est le catalogue. Le petit livre s'appelle « Peut-on faire revivre le mammouth ?» C'est aux éditions Les Petites Pommes du Savoir. On va vous remercier, monsieur Pascal Tassy, paléontologue et commissaire de l'expo. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Aujourd'hui sort à chaque pas
le nouveau single de Jonathan Cerrada, le petit... Du calme. Le petit prodige de la variété, sorti vainqueur l'année dernière de l'émission d'M6 à la recherche de la nouvelle star. On l'aime plutôt bien ici, Jonathan, et on le soutient en tout cas jusqu'au 15 mai prochain, puisqu'il représentera la France au concours Eurovision de la chanson à Istanbul. Ce sera le 15 mai prochain et j'aurai la chance de commenter ce concours Eurovision avec Elsa Fayer sur France 3. Ah bah d'accord. Et oui. T'as préféré choisir l'autre, ok. Tu vas pas faire ta jalouse. Bah, soyez... Oui, je préfère emmener Elsa Fayer à Istanbul que vous. Pour eh que ben vous... tu vas le regretter. Pour que vous me disiez où c'est Istanbul, comment on les appelle les Turcs et comment sont leurs toilettes. Oh là là, oui, oui. Alors là, en géographie, mon gars. Alors, on va continuer à bien aimer Jonathan, mais ça dépendra quand même de son classement, évidemment, le 15 mai au soir, pour tester ensemble sa nouvelle chanson à chaque pas. Et pour parler de l'Eurovision, accueillons tout de suite Jonathan Cerrada. Bonsoir. Alors, déjà, on peut dire que... Vous avez comme ça des fans qui vous suivent partout? Ben, il y a quelques têtes connues, ouais. Ça me fait plaisir, ça me rassure un petit peu. Je prends les noms de ceux ou celles qui seront en Turquie le 15 mai, attention. Ils seront, ouais, ils seront moins nombreux, là, déjà. Je crois, ouais. Là, c'est un vrai concours... Et puis, si vous gueulez comme ça, c'est en tôle, là-bas. Hein. Bon, alors, c'est quand même un événement pour vous. D'ailleurs... Vous n'êtes même pas français, hein. Vous êtes belge, vous cumulez les chances. Parce que là, évidemment, moi je comprends un peu France 3, Rachel Kahn et compagnie. Ils se sont dit, alors là, attention, les Français vont voter pour lui, les Belges vont voter pour lui et un peu les Espagnols aussi. Ben on verra, on saura le 15 mai qui m'aura soutenu, parce je sais pas. Vous avez quelques origines espagnoles aussi. Je suis espagnol à la base et puis je suis né en Belgique, ouais, et j'y ai vécu. Bon, alors, 12 points pour l'Espagne, 12 points pour la Belgique et 12 points pour la France. Oui, faites les calculs, bien. Elsa, commencez. 12 et 12, enfin, 24 un peu. Et 12, 36. Combien? 12 et 12, 24. Oui. Et 12, 36. Parfait, c'est bien, voilà. Fait des bons débuts. Voilà. Vous avez déjà 36 fois. Alors, l'originalité de cette chanson, c'est rare pour les représentants d'un pays, en tout cas la France à l'Eurovision, c'est que vous avez écrit paroles et musique. Voilà, ouais. On vous a laissé faire et tout, le choix de la chanson, comment ça se passe? Ben, on a cherché des chansons, en fait, avec l'équipe, on était plusieurs, et puis on était tombé sur un titre qui s'appelait « Laissez-moi le temps », à la base. Mais comme ils ne faisaient pas l'unanimité, ben, j'ai dit à la maison, dit, ben, est-ce que vous me laissez la permission de faire la chanson? Puis ils m'ont proposé, ben, ils m'ont présenté à deux jeunes auteurs-compositeurs, et on l'a fait à trois, quoi. À chaque pas, c'est la chanson qui représentera la France à l'Eurovision le 15 mai, chanson chargée de succéder enfin à Comme un enfant aux yeux de lumière. Ça fait quand même 25, 26, 27 ans qu'on se trimballe la victoire de Marie Myriam. Il serait temps de changer à chaque pas. À chaque pas que l'on fera, à chaque geste. Chaque pas, Jonathan Cerrada. Alors d'abord, autant vous le dire parce que Elsa et moi, on est un peu chargés de vous surveiller maintenant. Mmh. Va falloir m'enlever ça. Je suis très content en tout cas. Va falloir m'enlever ça si vous voulez passer sous les portiques de sécurité en Turquie. Déjà, parce que comment ça va sonner, on va avoir l'air malin, vous allez être retenu à la frontière. C'est Elsa qui va être obligée de chanter à votre place. Oh, dire que... le kiff. Ce serait terrible. Non, attention là, le look et tout, vous y avez pensé un peu? Pas encore au look, mais on verra. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut voir à l'avance, quoi. Claude Sarotte, vous avez écouté à chaque pas? Oui, oui, moi je le trouve très mignon. Hein. Merci. Très mignon, et puis là en ce moment, l'océan t'arrive aux genoux. Hein. C'est formidable ce qui t'arrive. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Ouais. Tu as beaucoup de chance et tu l'as mérité assez parce que tu es... tu n'as pas beaucoup d'angles, tu n'es pas désagréable en aucune façon, tu es charmant, tu es beau. Hein, franchement. Ah, pourtant, merci. Elsa, vous qui animiez l'émission au moment où il était candidat, il faisait un peu tête de cochon à l'époque, non, dans l'émission? Non, 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 c'était plus de la timidité, Jonathan. Non, 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 franchement, non. Ah non, non, on n'a pas eu... Témoin sur place. On n'a pas eu de candidat lourd. Ah ouais. Non, non, je pense qu'ils étaient... La chose qui était très difficile à gérer, c'était le stress. Et les jurés qui l'avaient pris un peu en grippe.
Ouais, mais ça lui a servi. Grâce au jury justement qu'il avait un petit peu en grippe, eh bien, les téléspectateurs l'ont soutenu. Donc quelque part, t'as été extrêmement bien servi par ce jury qui ne faisait pas de cadeaux. Ça m'a poussé à bosser encore plus. Donc, ouais. Valérie. Et alors justement, à l'Eurovision, c'est pas le public qui vote, c'est un jury, non? Oui. C'est ça, c'est un jury de quelle sorte? International. Non, c'est le public qui vote. Je crois même, je me demande si on n'a pas le droit, je crois, de voter. Les Français n'auront pas le droit de voter. Voilà, les Français n'ont pas le droit de voter pour le Français. Voilà. Voilà. Pour son pays, ouais. Bah oui, mais les Belges. Et les Espagnols. Espérons. Mais s'ils représentent la France. Oui. Bah les Français peuvent pas voter pour lui. Non, mais c'est normal, comme ça. Il y a les Belges et les Espagnols derrière. Si les Français ne peuvent pas voter pour le Français, moi je sais que personnellement, je n'irais pas voter pour l'Espagnol ou pour l'Anglaise. Mais pourquoi pas? Il est chaud. Je sais pas. Bah, parce que ne vous cassez pas la baraque. Votez, mesdames et messieurs, votez. Et mais votez, si ils peuvent pas voter pour lui, c'est quand même dommage. Si les Français peuvent pas voter pour... Les frontaliers qui peuvent passer la frontière, ils vont acheter leurs cigarettes et en même temps ils votent pour l'Eurovision. C'est pas pratique, ça. Elsa, vous encouragez le petit? Bah, bien entendu, et puis en plus, bah, on est là pour ça un petit peu aussi. Donc, alors, bien il était comment à l'époque, quand vous l'avez connu, vous? Ah bah, c'était une sorte d'élève mutant. Il a mûri pendant le programme. La première fois que je l'ai vu, c'était en Belgique. Il est arrivé, il sautait partout, il chantait un truc de Shakira, une chanson chantée par une femme, il bougeait dans tous les sens. Et nous, on le regardait dans la cabine de régie, on se disait « il est bizarre !» Non, mais c'est vrai, il était particulier. Il arrive, il chante une chanson hyper avec beaucoup de tempo, alors que la plupart nous chantaient des super ballades. Il bougeait comme c'était pas permis, il avait une petite cravate accrochée à son truc. Il chantait une... c'était atypique. Si. Non, pas aujourd'hui, non. Et il était coiffé comme sur la photo, là? Non, un peu... Ouais, exactement. Bah si. Ah, c'est mieux exactement maintenant. Ça. C'est le même. C'est mieux exactement. Maintenant. Gérard Miller, est-ce que vous encouragez la France à l'Eurovision? Alors Jonathan, je ne suis pas, je vous le dis tout de suite, le genre de chroniqueur à tourner autour du pot et je vais vous donc donner directement mon avis. Attention. Jonathan, je trouve que vous avez un superbe prénom. certains diront, je ça. Les connais, certains diront, oui, mais c'est une musique sirupeuse, des textes niais. Non, Jonathan, allons à l'essentiel. Peut-être que Georges Brassens, que Gilbert Bécaud, ou même Marcel Hamon ont plus de talent que vous. Mais comparé à vous, Georges, Gilbert ou Marcel, Jonathan est un prénom beaucoup plus beau. Et donc, je vous le dis clairement, continuez, restez fidèles à ce que vous êtes. Et encore une fois, Jonathan est un superbe prénom. Oh, ça, alors vraiment, c'est n'importe quoi, Gérard. Je cherche un point positif et je le maintiens absolument contre vents et marées. Rassurez-vous, il ne votera pas à l'Eurovision, Gérard Miller. Valérie Mérès. Mais enfin, il est complètement débile, ce vieux con. Franchement, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas spécialement de savoir... je fais pas partie de la génération des petites gonzesses qui hurlent « Hey, Jonathan !» tout ça. Mais c'est très mignon. Et en plus, il a écrit lui-même. Alors déjà, ça, c'est vachement bien, quoi. Tu t'es fait des copines, madame. Non, mais si tu veux, j'ai... Ben, attends, je pourrais être leur grand-mère. Hein. voilà. Mais je trouve ça très mignon. Et je trouve Gérard d'une injustice. Mais d'une injustice. Il a même pas 20 ans. J'ai fait un compliment. Gérard, vous pourriez être juré à la recherche de la nouvelle star. Vous seriez pire que ceux qui sont là actuellement. C'est injuste. Est-ce que c'est pas un compliment que j'ai fait? Bon, franchement, allez, ta gueule, Gérard. En plus, Gérard, c'est moche. Alors, je vais vous dire, Christophe, allez, mec. Mais je sens que les sirènes de voiture vont se mettre en route. Un Belge pour représenter la France, je dis pourquoi pas. Voilà, et vous avez un très grand avantage, c'est votre nom, Serrada. C'est très bien. Un Belge pour représenter la France, bravo, ça pourrait être pire, ça pourrait être Gueluc. Voilà. Moi, je serais pour qu'un Espagnol représente l'Italie, qu'un Allemand représente l'Irlande, qu'un Grec se représente tout seul. Vous êtes pour l'humanisme. Voilà, comme ça, tout le monde gagne, tout le monde est à égalité, c'est l'école des fans, et on supprime cette merde qu'est l'Eurovision. Une question juste sur le qui choisit? Que ça sera Jonathan. C'est France 3 qui choisit, c'est ça? C'est les directeurs de chaîne qui choisissent. Les directeurs pour représenter la France. Il n'y a même pas un avis du public ou...
À une époque, il y a eu ça, mais comme on perdait quand même. Donc moi, Jonathan Cerrada, ouais, j'ai suivi du... Jonathan Cerrada, j'ai suivi depuis... Toi aussi, tu t'es fait des copines derrière. J'ai suivi c'est depuis... agréable. Non, Steve, excuse-moi, c'est juste pour le plaisir. Vous appelez bien Jonathan Cerrada, c'est juste pour... Ah, voilà, j'adore. Jonathan Cerrada, donc. Je l'ai suivi depuis le début, et ce qui m'avait marqué, ouais, c'était sa performance... quand t'as fait Shakira, là, je crois que je suis resté scotché devant la télé. J'ai pas beaucoup regardé de télé-réalité, mais celle-là m'a vraiment marqué. Mais non, mais c'est vrai, j'ai pas accroché mais sur d'autres. Mais là, j'ai vraiment regardé, et donc et là, j'étais assez scotché par ça. Et puis, même si Laurent avait fait un week-end, on avait parié. Toi, tu avais dit que c'était Thierry qui gagnerait, et moi, j'ai dit que c'était Jonathan qui gagnerait. Pas de problème. Jonathan, merde. Jonathan, écoute, c'est pénible, vraiment. Steven. Jonathan, mince. Oh, mais oui. Non, mais c'est agaçant, écoute. Oui, donc, écoute, j'ai toujours su que tu allais gagner. Enfin, j'espérais vraiment. Bon, nous, on vous souhaite de gagner. Écoutez, on peut pas dire. Avec les banderoles. On sera avec comme les à banderoles. La nouvelle star. Elsa Fayer sera en pom-pom girl. On sera tous les deux coincés dans notre cabine pendant 4 heures. 4 heures. Il paraît qu'il fait chaud. En plus. Il fait très chaud. On a fait un petit pistolet pour pisser sur le côté. C'est sympa. Vous verrez pas tout ça, hein. Vous inquiétez pas. Mais en tout cas, on sera là pour vous encourager, pour faire voter ceux qui, à la frontière, pourront passer de l'autre côté du pays pour voter éventuellement pour vous, Jonathan Cerrada. Mais cette année, c'est la bonne. Cette année, c'est la bonne. De toute façon, on s'est dit, je présenterai l'Eurovision, je la commenterai tant que la France ne gagnera pas. Alors s'il vous plaît, gagnez, parce que comment ça... Je vais faire une consigne, en tout cas. À chaque fois, Jonathan Cerrada, merci à vous. Merci. À bientôt, surtout. Demain, dans tous les bons cinémas, sort L'Incruste, une comédie de Corentin Julius et Alexandre Castagnetti, avec entre autres Agnès Soral, Zoé Félix, Zinedine Soilem, Frédéric Diffenthal et Titoff. Ce film, dans l'esprit de Marche à l'ombre et Viens chez moi, j'habite chez une copine, raconte l'histoire de Paul, interprété par Titoff, un petit malin, un brin embrouilleur, qui parvient à s'incruster, d'où le titre, chez Alexandre, joué par Frédéric Diffenthal, un des Taxi Boys du cinéma français. Pour tester ensemble L'Incruste, accueillons donc les deux comédiens principaux de ce film, Frédéric Diffenthal et Titoff. Vous avez bien serré les... Oui, il n'y a pas beaucoup de place. On est très bien. Ah bah vous êtes tandem, vous êtes tandem. Moi, dans tout le film, je le colle pendant tout le film. Ah, c'est vous qui tapez l'incruste, alors? Ah oui. Non, mais lui aussi, ce qu'il faut savoir, une petite précision, c'est que dans l'histoire... Je laisse... Lui, il n'est pas chez lui. Il est dans l'appartement des parents d'un pote. Lui-même tape l'incruste. Ce qui facilite la façon dont je tape l'incruste, où je me fais passer pour quelqu'un d'autre et... Et après, à partir de là, il y a une vraie histoire d'amitié qui naît. Vous êtes plutôt le garçon sage, alors, dans l'affaire? Oh oui, on peut pas dire que ce soit un violent, Alexandre. On va regarder tout de suite la bande-annonce, on comprendra peut-être mieux. Et trois de nos camarades sont allés voir le film, on vous en parler dans un instant. D'abord, bande-annonce de L'Incruste qui sort demain. T'habites où maintenant? Juste à côté, là. C'est un appartement qui appartient aux parents de Christophe. Comme ils s'en servaient pas, ils m'ont proposé, coup de bol. Toi et ton pote Christophe, je vous connais pas, mais je sens que vous allez me rendre un petit service. Bonjour, je suis Paul, le cousin de Christophe. Il m'avait dit que si j'avais besoin, je pouvais dormir chez lui quelques jours. Pardon de débarquer comme ça, hein, c'était pas prévu. Non, non, y a pas de problème. Ça a pas changé ici, hein. Ça m'emmerde, tu sais, de prendre ta chambre. J'aurais très bien pu dormir sur le canapé, tu sais. Ça dure encore longtemps, ton film. Ah ouais. T'as qu'à la prendre dans ta chambre, si tu veux, je la regarde jamais, de toute façon. Ah, je vais pas abuser. Si, je t'assure, abuse. Au moins, il sort d'où, ce pognon? Est-ce qu'il a encore inventé, celui-là? C'est rien, je t'expliquerai. Allez, bouge. C'est tout ou t'as autre chose à m'annoncer, là? Tu vas encore t'énerver. Je suis pas le cousin de Christophe. T'es qui, alors? Titoff, Diffenthal, Zoé Félix, Agnès Soral et quelques autres. Les deux réalisateurs, c'est leur premier film d'abord. C'est leur premier film, ouais. Est-ce qu'ils avaient pensé à vous en écrivant le film ou est-ce qu'ils ont cherché un tandem, un duo? Ah non. Alors, voilà. À la base, il paraît qu'ils pensaient à personne en particulier. Bon. Ils pensaient même pas faire le film à la base. Et puis après, comme le scénario, ils viennent de ces deux étudiants et ils sont bourrés de talent. Voilà.
Et du coup, sur le scénario, grâce à leur scénario, ils ont eu plein de choses. Ils ont eu un premier, Jean-Michel Stasu. Bonne tête de premier de la classe, là. Ouais. Ils ont, ouais. C'est ce qui fait leur charme, d'ailleurs. Vous chantez du Fental sur la bande originale du film qu'on trouve en CD. Oui, oui, je chante. Bah, comment ça, oula? Oui, je chante, oui. Bah, je chante. Ils chantent bien. Ils chantent super bien. Il y a un extrait ou pas de... quand ils chantent, ils chantent, ils chantent dans le film. Parce que s'il n'y a pas d'extrait... Il n'y a pas d'extrait, mais il y a un micro. S'il n'y a pas d'extrait, il faut chanter. Voilà. S'il n'y a pas d'extrait, il faut chanter là tout de suite. Hein, et il part au quart de tour. Elsa Fayer, vous avez entendu la chanson? Oui. Vous avez vu le film? Oui. Alors, comment il chante? Je préfère quand il est acteur. Non, mais c'est pas méchant. C'est vous qui avez proposé aux scénaristes d'interpréter la chanson ou c'est eux qui vous ont demandé de le faire? Ils voulaient tout faire. Ils voulaient faire une comédie musicale. Ils voulaient chanter pendant tout le long. Donc. Alors, comment vous avez trouvé ça? Ah, moi, j'ai trouvé ça super. J'y suis allée avec mon frère. Il a dit ouais, trop cool. C'est super. J'adore les phrases. Trop bien, j'ai relevé. Non. Tu aimes bien les phrases parce que tu les comprends. Oui, je comprends. Non, mais c'est vrai qu'on passe un bon moment. Le tandem fonctionne hyper bien. Titoff, on a un peu envie de le frapper pendant tout le film. C'est un vrai parasite. C'est tu veux me frapper comment, hein, comme ça? Comme ça, tout gentil. J'adore. Tout gentil. Non, mais c'est vrai qu'il le joue à fond. C'est hyper caricatural et en même temps, ça tient la route. Il y a un vrai scénario. C'est pas, il y a pas de vide. Il y a une petite histoire d'amour en plus. Donc nous, les filles, on aime c'est bien. C'est le petit plus par rapport à la référence que peut avoir le film, justement, des références de certaines comédies qu'on a pu voir à la fin des années 70 et dans les années 80. Mais eux sont nés à cette époque-là. Ils sont nés dans les années 80, les deux metteurs en scène. Ils ont 27 ans, donc c'est normal. Ça. Et le petit plus, c'est ça le côté comédie romantique. Claude Sarraute, vous l'avez vu aussi? Moi, j'ai trouvé ça formidable, mais c'est surtout eux deux. La jeune femme qui joue la prostituée, Zoé. Félix. Excellente. Et alors celui-là, Titoff, écoute, c'est effrayant, il est absolument insensé. Parce que lui, il a la roublardise, la malhonnêteté euphorique, tu vois ce que je veux dire. Il fout un bordel pas possible, et en même temps, il jubile tellement que tu ne peux pas ne pas adhérer complètement avec toutes les saloperies qu'il fait. Bon, bah c'est parfait, ça c'est bien parti. Titoff. Titoff, comme vous connaissez bien ce plateau, est-ce que je donne la parole à Gérard Miller? Bien sûr. Oui, bon, très bien, allez-y Gérard. Sous la table. Alors, il y a une catégorie de films dont on ne dit pas assez de bien, qui est relativement récente, je dirais une vingtaine, 25 ans, qui est ce qu'on appelle les films sympas. Et les films sympas, c'est tout à fait respectable. Et ça, c'en est un. Et il faut trois ingrédients pour faire un film sympa. Il faut des comédiens sympas, et vous l'êtes absolument. Il faut une bande originale sympa. Et là, je vous tire mon chapeau parce que j'ai découvert que dans la bande originale, qui est formidable, il y avait une fanfare latino. Que fanfare bolivienne, exactement. Ouais. Voilà, qui est d'Orléans, que je connaissais avant, qui s'appelle La Belle Image. Ils n'ont en plus pas de producteur actuellement. Je ne sais pas comment c'est possible. Ils sont extraordinaires. J'avais écouté leur disque. Il va réussir à se faire l'attaché de presse de la fanfare. Non, je vous assure, franchement, dites-le que la musique du film, de La Belle Image notamment, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est le second ingrédient. Vraiment, je vous assure que cette BO est extraordinaire. Et le troisième ingrédient, c'est vrai que c'est Zoé Félix. C'est-à-dire qu'elle est absolument charmante. Je vais vous dire, elle regarderait M. Raffarin dans les yeux, il oublierait qu'il a perdu dimanche dernier. Bon, ben voilà, c'est bien parti, cette affaire-là. Ça sort demain. Christophe Alevec, vous connaissez du Fental? Je connais bien Frédéric, puisqu'on a tourné un film... Oui, un film qui va sortir cet été. Et je connais bien aussi sa future femme, et je comprends qu'il parle beaucoup pendant la promo, parce que chez lui, il ne peut pas en placer une. Donc, Toi? Alors, je peux répondre à Christophe? Oui. Parce que moi, je la connais, la future femme. Et justement, je ne connais pas Frédéric, mais elle est tellement géniale qu'il doit être génial. Elle est belle, elle est drôle, elle est intelligente, et elle ne ferme pas sa gueule. Mais c'est... Et elle est dans le film. Elle joue dans le film. Mais on ne peut pas dire qui c'est. Nous, la vie privée, on ne se mêle pas de la vie privée, mais elle est dans le film. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. J'allais dire, je connais bien le problème, j'ai la même à la maison. Et d'ailleurs, je me prends une veste dans le film. D'accord. On ne dit pas qui c'est, hein, mais c'est plutôt vers le début. Voilà. Et quand il dit tout à l'heure qu'il a travaillé en amont, on veut bien le croire. Christophe. Autant que être spécialiste de l'incruste, parce que j'ai fait ça pendant des années, mon record c'est un an et demi. Ah oui? Chez quelqu'un, j'arrivais avec ma valise, je peux rester une semaine, un an et demi. Donc ça, c'est quand même pas mal, hein. Je suis ressorti avec la valise dehors, avec un mot marqué dessus, stop.
Voilà, donc je suis allé chez une copine, j'ai fait la même chose, mais là, il y avait des mots partout, encore, encore. Et après, ça a dégénéré, elle est devenue ma femme, maintenant, bon, c'est autre problème. Par contre, je ne savais pas que tu allais... je ne savais pas que tu chantais. Tu nous avais caché ça, alors qu'est-ce que tu vas nous chanter à ton mariage? Ah, tu crois pas si bien dire. Ah, c'est vrai, vous préparez un petit récital? Tu crois pas si bien dire, c'est sa chanson. C'est le nom de la chanson, tu crois pas si bien, c'est un beau titre. J'ai écouté la chanson, je trouve que tu te débrouilles, et là c'est un spécialiste qui te parle, étant donné que j'ai entamé une carrière de rockstar. Avec brio, hein, moi je t'ai vu sur scène, vous l'avez tous vu sur scène. Et moi je trouve qu'il se débrouille très bien, tu vas continuer ou tu... C'est un peu appliqué, disons que ce qui n'était pas évident, c'était pas pour moi. Non, c'était pas évident, parce qu'il y a un mini-concert, il a fallu qu'il chante et tout, il y avait le public. Non, j'avais un trac. J'étais là pour l'encourager. Tu pousses la voix, non, c'est bien, franchement. Non, mais j'avais le trac. On écoute, peut-être on a la chanson. Non. Elle est plus vieille, elle a le teint mat, elle lui manque déjà, la 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 la. C'est le meilleur moment, ça. Elle est belle, elle n'attend que ça. C'est terrible. Faut pas qu'elle s'endorme. Elle va mourir, sinon elle est tellement, tellement, tellement tabou à feu. C'est pas si mal. Elle se fiche de tout. Franchement. C'est le personnage. Franchement. C'est la... En plus, c'est le personnage, c'est pour le film. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu Yves Duteil, ça fait du bien de... Non mais derrière, ça assure, hein, la moi musique. Moi qui ai rêvé d'être Jamiroquai. La fanfare au réveil, c'est génial. Moi j'ai vécu ça ce matin. Non, c'est vrai, la troisième chanson de votre CD, c'est la fanfare. Et hier soir, mon mari était en train de remplir ses déclarations d'impôts et moi j'étais en train de travailler, donc j'ai mis le CD et on est tombé sur la fanfare. Il m'a dit, tu te fous de ma gueule? Je dis non. Il me dit, tu vois pas que je bosse? Je dis, moi je fais quoi? Il m'a dit, bah, moi je remplis la déclaration d'impôt. Il m'a dit, demain matin je te réveille avec la fanfare. Il me l'a fait. Il y a une ambiance. Super. Mais t'as l'air en pleine forme. Ah écoutez, ça m'a mis en joie cette fanfare. C'est à 7h. Quelle vie. Ouais, c'est vrai que. On en a reçu quand même des artistes qui sont venus présenter des CD, etc. ou des films ici. On a eu les BO ou les disques, ou enfin tout et n'importe quoi. Et c'est l'un des rares que je garderai. Parce que les disques que j'aime pas qu'on soit dans les émissions, je les colle au mur. Hein. Alors que le vôtre, je vais vraiment le garder parce qu'il est vraiment sympathique. T'as un grand appartement Ouais, ça va. En tout cas, il faut signaler que les bandes originales de films marchent de mieux en mieux. Ouais. D'ailleurs, actuellement, en vente des CD, c'est la bande originale du film Les Choristes qui est en tête. On vous souhaite en tout cas la même chose pour L'Incruste. Je pense qu'il vaut quand même mieux que le film marche que la musique. En tout cas, c'est, j'imagine, votre souhait. Ça sort demain, L'Incruste, avec, entre autres, Agnès Soral. On l'a pas suffisamment citée. Elle joue quoi, Agnès Soral? Elle joue une prostituée de haut vol, une mère maquerelle. Et un autre comédien très bon, Zinedine Soilem aussi, qu'il faut citer. Il y en aurait trop à citer. Gwendoline Hamon, évidemment. Eliane Boëri et quelques autres. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous pour le Tac à finir. Allez. Allez, on joue. C'est parti. À vous de compléter ces quelques phrases. On a parlé de lui en début d'émission, Peter Ustinov, qui avait déclaré « Je ne suis que sur un de l'humanité ». Je ne suis qu'une goutte sur... Pas une goutte. Un surfeur. Un quoi? Un surfeur. Un surfeur. Sur la mer de l'humanité. Un témoin. Un témoin. C'est pas un surfeur, Claude, non. Je ne suis qu'un témoin. Non, c'est plus près de la goutte, mais c'est plus dégueulasse qu'une goutte. Une flaque. Non, mais c'est pas de l'eau. Je ne suis... Une eau de vie. Qu'une fiotte. Non, enfin, non, fiotte. Qu'un insecte, Laurent. Pardon? Qu'un insecte. Non. Qu'une poule. Non. Est-ce que c'est une verrue? Qu'une poire. Voilà, on se rapproche. Pas une verrue, mais... Une pustule. Bravo. On avance. C'est pas fini. On va y arriver. Sur le dos de l'humanité. Je ne suis qu'une pustule sur... Sur le dos de l'humanité. Pas le dos. Sur la face. Le cul. Le visage. Sur le cul. Bravo, Titoff. Sur le derrière de l'humanité. Ouais. C'est beau, hein. C'est joli quand même. Ah, je trouve ça très joli, vraiment. C'est Une leçon de modestie. Ça, avec la fanfare le matin, tu pars, tu passes une super journée. Ouais, j'adore. Trudy Styler, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Non, ouais, c'est la blonde, là. Voilà, mais c'est aussi la femme de Sting, le chanteur Sting. Ah, d'accord. Et elle déclare, mon mari aime bien inviter un à la maison et me regarder faire la cuisine. Des copains. Me regarder faire la cuisine. Rocco Siffredi.
Attends. Et me regardait faire quoi? Et me regardait faire la cuisine. Alors, c'est Titoff qui est plus près de la vérité que vous, hein, pour tout dire. Aime bien inviter les cœurs de l'armée rouge à la maison et me regarder faire l'amour. Alors, la fin, c'est bon. Me regarder faire l'amour, mais c'est pas les cœurs de l'armée rouge. Des étrangers. C'est des Rolling Stones, alors. C'est des cover boys. Des footballeurs. C'est pas des hommes, justement. Ah bon? Des femmes. Voilà, des partenaires différentes, je vous l'accorde. Mon mari aime bien inviter des partenaires différentes à la maison et me regarder faire l'amour avec elle. Ah ouais, ouais. Dis donc. C'est sympa. Il écrit. Que fait la police? Que fait police, oui. Le groupe de Sting. Quelle horreur. Marianne James, qui est sur scène actuellement à la Cigale, encore ce soir, elle a démarré hier. Faut peut-être pas trop parler de... Avec merde. Le pu... Pardon merde. De merde. De culture. De culture merde. Avec le public d'M6. C'est Titoff qui a la réponse. Deux bonnes réponses. Vous avez gagné le droit que je cite à nouveau L'Incruste, la bande originale, mais surtout le film qui sort demain sur tous les écrans un peu partout en France. L'Incruste avec nos invités ce soir, Titoff et Frédéric Diefenthal. Merci, à demain.